Salut! On se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien. Bon, alors on est là, mais comment dire, on s'en fout un peu d'être là. Nous, on va aller ici. Ici? Non, mais non, pas ici. Là. Ah oui, il faut qu'on aille là. Ah oui, je voulais aller là et là. Oui. Bon, on va aller là. Dans tous les cas, on va se TP à la tour. Donc voilà, on est sur Zelda, on continue, épisode 15 je crois, c'est ce que j'avais vérifié, hier, il me semble qu'on était à 14, donc normalement on est épisode 15, déjà. Je dis déjà parce qu'il n'y a pas un seul épisode qui est encore sorti à l'heure actuelle. Normalement ça devrait arriver là pour faire un point, en gros je tourne ça le jour où la review SNK est sortie. Voilà. Mais ouais, du coup, non, j'ai pas mal enchaîné quand même, mine de rien. Ouais, alors, non. Du coup. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, j'ai pas mal enchaîné, finalement, le jeu, là. Hein, depuis le début. Alors. Je pourrais m'arrêter là, parce qu'il doit y avoir sûrement un coffre ou quoi, hein. Ouais, il y a un coffre, on le voit. On va s'arrêter là, on va faire un petit détour. Normalement, ça devrait passer. Ah, il y en a deux. Il y a même deux coffres. Incroyable. Alors, les flèches explosives, d'ailleurs, ne fonctionnent pas. Quand il pleut. Faut le savoir. On va rester accroupi, parce que j'ai peur que ceux d'en dessous m'entendent. Ouais mais non. Ouais mais non. Hop. Et on continue. On va vers là. Ouais voilà. On a entreperçu l'endroit où je voulais aller. On trouve le sanctuaire aussi qui doit être à proximité. Il y a peut-être un Korogu ici. C'est quand même stylé l'orage. J'aime pas trop ce temps parce que bah c'est... Tu peux pas escalader. Tu t'as le risque de te faire foudroyer à tout moment. C'est pas la joie quoi. Mais... Ah si c'est bon. Mais ça reste stylé, je trouve. Niveau ambiance. Ah, bon alors il y a un Korogu là. Link. J'ai cru que je le cassais pendant un moment. Pour ça que... Mais non! C'est pas possible, on n'est jamais tranquille. Hein. Mais non. Mais ah, au secours! Voilà. Non mais oh, c'est bon. Là. Ouais, l'arc de la dévotion en fait... il est sympa, mais... Non mais vas-y, fais un effort le bloc. Je suis sûr que c'est genre soit là, soit au milieu. Non? Ah, il faut comparer les deux trucs là. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ok. C'est un truc pas symétrique. Super. Super. Super le Korogu. Oui. Super. On est content. Hein. Le sanctuaire donc. Ouais, j'ai les loot là-bas, mais j'ai un peu la flemme. Hein. Au moins, est-ce qu'il y a un coffre là? Non, là, il y a une. Attendez, c'est une carpe max ça? C'est un truc max? Non, viens ici! Perche max. Ouais. Ça aurait été con de la rater quand même. Et les photos là? Faut que je prenne les trucs en photo. Supportable. Ouais. Oh, les sauterelles. C'est un plaisir à prendre en photo, hein. Comme vous pouvez le voir là. Je suis en train de passer un de mes meilleurs moments. Je crois que c'est pas passé. Ouais, là c'est bon. Voilà. C'est bon. Ah ouais.
Ah, il y a des animaux pour les prendre en photo, c'est sympa. Hein. Bon. Donc le sanctuaire. Je disais le sanctuaire. Voilà. Et ouais, il serait peut-être temps qu'on aille prier un jour. Peut-être. juste pour avoir quelques petits réceptacles en plus là. Modérer sa. Ah! Ouais. Pas trop mon. Ouais. Super. Alors, je sens que ça va être un bon sanctuaire, ça aussi. Ah oh, ouais. Alors, je sens qu'on va s'amuser sur ce sanctuaire. Vous voyez, déjà, on me donne un coffre pour me donner un truc pour taper. C'est sûr. Mais en vrai, il vaut mieux, effectivement, que j'utilise le marteau. Donc, pour l'instant, on va laisser Casper ici. Et compter sur nos talents naturels. À faire de la merde. Donc là, hein, le but, c'est tout simplement de réussir à mettre la balle là-bas. Et donc, il va falloir apprendre à modérer, effectivement, la force qu'on met dans la balle. Alors, on va tenter 4 coups. C'était nul. Donc 4 coups, c'est nul. Et alors ça, on va faire comme ça, hein, parce que c'est hors de question que j'utilise une flèche ou quoi que ce soit d'autre. Deux, trois, quatre, et 5. Bah voilà. Évidemment, ça c'est la phase 1. Ça c'est le tuto. Après, t'as un truc difficile. Ou alors, peut-être que le truc difficile est juste pour avoir le. Un coffre. Alors, le problème c'est que. Vous êtes gentil, vous, mais. Moi, je veux garder Casse-Pierre. Hein. Elle a pas intérêt à des pop. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, même délire. Non mais. On va laisser le marteau ici. Tout est calculé, hein, vous inquiétez pas. Ouais, voilà, ok. Ok, donc c'est bien ça. Hein, ouais, là c'est l'épreuve bonus, c'est si tu veux le coffre, tu vas douiller. Donc là, on va me redonner un marteau. Ouais, je me rappelle, ouais. Ça va être insupportable. Oh, ça va être insupportable. Oh là là. Oh là là, mais c'est... Oh, 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 oh. J'ai mis combien? J'ai mis 4 coups. Je crois que j'ai mis 4 coups. Parce qu'évidemment, le truc, c'est qu'à chaque fois, tu te redécales. Donc t'es pas exactement au même endroit vis-à-vis de la boule. Donc tu vises pas exactement au même endroit. Je sais pas pourquoi je fais ça. 1, 2, bon, 3. Je crois qu'après, je crois qu'il y a un délire où je vais essayer de mettre une flèche à un moment donné. Je crois que je mettais des flèches à un moment donné. Ouais. 1, 2. 1, 2. 3 4 Non!
Ça va être un bon sanctuaire. Oh là là, on est, ça fait déjà 10 minutes. Bon, on n'a pas passé 10 minutes sur le sanctuaire, mais... Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Et là, c'est trop. De toute façon, ça va taper les trucs, là. Voilà. Super. Super. Ah mais là ça suffit pas. Ouais. En fait il faut que je mette la flèche mais avant du coup. Sauf que là le marteau il va se casser. Je vais l'avoir mauvaise. Ok. Oh, attendez hein, parce que il faut que je puisse bien viser. Hein. Ok. 1, 2. En fait, j'ai vu que ça visait pas au bon endroit. J'ai paniqué. Na la la. Super. Bon, on va le faire à la Langeora. Ah c'est mais c'est nul. C'est nul. Putain, je sais pas si je peux mourir comme ça mais. Ouais mais non ça j'en ai besoin parce que c'est une de mes seules armes en bois. On va le faire avec Aspire, hein, tant pis. Bon. Un, deux. Ah, ça manque de puissance. À chaque fois, ça manque de 1 de puissance, en fait. J'ai l'impression. Bon, flemme. Flemme. Genre, en fait... Un, deux, trois, quatre, cinq. Même comme ça... Ah ouais, non mais ouais, ça assure, ouais, non mais ouais, ça, c'est... Ouais, c'est... J'adore cette épreuve, quoi. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Ouais, là, c'est mort. Donc, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, et des flèches. Enfin, il faut que je fasse des flèches et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je peux pas trop... Ouais, en plus ça va se casser, oh là là. Ah non, sinon j'ai une autre technique. J'ai une autre technique. Oh. On va la mettre là, la bombe. Voilà. Là on fait ça. Là on fait ça. On fait ça. Et là, on fait ça.
peux pas vraiment tricher. Ça m'embête. En fait, ça m'embête là, ça y est. Parce que j'ai pas d'autres coffres. J'ai pas d'autres marteaux de fer en fait. Bon, on va refaire encore un ou deux tries. Mais ceci dit, tant qu'à faire, hein. J'ai envie de vous dire que la fête soit plus folle. Hein. Et bam! Non. Non. Mais putain de... Ça se voit qu'il me fatigue ce donjon. C'était pas ça que je voulais que tu fasses, Link. Oh, au secours. Ouais. Donc là, je fais ça. Non, ça. 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 Non. Là, je peux pas faire plus. Pourquoi des fois la balle, j'ai l'impression qu'elle, genre, elle part pas. Juste, elle part pas, en fait. Elle a pas envie. Genre, il faut qu'elle... Sinon, c'est l'angle qui est pas bon. Comment je peux lui donner un angle? Attendez, juste je vais faire un test. Parce que si je fais ça et que je vise là, c'est nul. Et si je fais ça et je vise là, c'est nul. Ok. Ce qu'il faudrait que j'arrive à lui donner une direction en cloche, sinon, mais... Ça m'a l'air compliqué, quand même. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça se prend plein le poteau, là. Si c'était rentré entre les deux trucs du poteau, ça rentrait peut-être, hein. Bon, à 20 minutes, j'arrête. À 20 minutes, j'arrête. Oh là là. Mais non. Mais non. Pourquoi elle est là, la balle? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour... Si. Ah putain. Ah oui, elle est là. Ah oui, c'est encore pire que ce que je pensais, elle a réussi à passer. Oh. C'est nul. C'est d'une nullité. Attendez, on va essayer un truc du coup. Mais c'est nul alors que c'est quasiment au max. Ça donne quoi au max? Ça suffit. Est-ce que c'est ne serait-ce que suffisant? Ah bah on le saura jamais. Je vais utiliser toutes mes armes. C'est bien. Hein. Il est bien ce sanctuaire. Hein. Non. Yep.
Mais comment ça, c'est pas assez fort? Comment ça, ça? Ah bon, un coup je le fais à la flèche, un coup je le fais à la bombe. Je sais même plus si c'est... Ça te va bien, ça, j'en ai pas marre du tout de ce sanctuaire de mort. De cette juste ce truc là de mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah là c'est trop fort. Bah ouais c'est trop fort parce que là 6 c'est pas... toujours plus. À la limite tu veux pas rebondir sur le mur et revenir? Non, non, non. Putain. Ouais. Donc il faut que je fasse 6. Bon, on va mettre une flèche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là c'est trop fort. Non mais là c'est du troll. Le truc c'est qu'en plus comme on est proche, là du coup ça me trigger, je me dis non mais attends c'est bon on est proche, on y est presque machin. Bon j'utilise toutes mes armes mais bon ça c'est un détail j'ai envie de dire. Je sais pas compter les coups. J'ai mal... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Oh, allez. On l'a fait, c'est bon. Pourquoi j'ai pas le son? Il faut vraiment que je trouve un moyen d'avoir le son. Enfin, faut juste que je m'achète un casque pour avoir le son au-dessus. Parce que voilà. Mais... C'est bien. Bon, bah voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura... Oh, mais oh là là. Oh là là. Moi, je sais pas ce qu'on va faire dans cet épisode, mais il faut qu'on fasse un truc. Hein. Parce que là... Ouais. Ouais, il s'est passé quoi pendant les 25 premières minutes de l'épisode? Oh... Une épreuve de sanctuaire. Juste une épreuve pour un coffre. Bon, pour un cœur antique géant, c'est pas mal. Mais au moins, j'ai de la place pour les armes. Attendez, on va voir si la massue, elle y est encore. Si la massue, elle y est, je la récupère. Le marteau. Ah, attendez. Attendez, là j'ai de la place. Hein. D'ailleurs. Voilà. Bon. Ah, c'est fait. Je peux vérifier. Ça se trouve, il manque un coffre dans le donjon. Mais. Je sais pas s'il en manque un. Si j'ai envie de le faire. Si jamais il y en a encore un, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Je suis pas sûr. Finalement, je crois que c'est pire que les jeux gyroscope, en fait. Parce que les jeux gyroscope, au bout d'un moment, tu comprends que, bon, c'est pas du tout naturel pour toi, mais si t'es comme ça, et que tu fais ça, ça bouge légèrement vers la droite. Du coup, tu comprends. Là ou là, bon, bah, tu bourres, puis à un moment donné, ça passe. Bon, dis-moi que j'ai tout, quand même. Hein ? Voilà, ouais. Sanctuaire de quoi ? Sanctuaire de Mirotsui, ouais, super, Mirotsui. Bon, le relais. Parce que moi, à la base, je suis venu pour le relais. Hein. Je suis venu, j'ai mis un marqueur parce que je me suis dit, ouais, il doit y avoir un relais par là. Et oui, effectivement. Oh, une lance de soldat.
Magnifique. Relais de la forêt. Eh ben il est là. Parfait. Ah, qu'il est cherché partout, le Noya. Ouais, bon, on a vu une pomme voler. On ne la reverra jamais. Je veux voir des ballons. Bah écoute, super. Des fois je fais un rêve, et dedans je me demande si avant on vivait pas dans un pays qui volait dans le ciel. Ouais. C'était dans un jeu qui s'appelait Skyward Sword. Super. Oui, bon, monsieur, je veux voir plein de ballons voler loin dans le ciel. Montre-moi des ballons qui montent, et je te donnerai le trésor que j'ai reçu du ciel. Pas envie, je m'en occupe, ça va. Merci tout plein, toi t'es gentil. Accroche plein de ballons sur un tonneau et fais-le voler loin dans le ciel. Ah, attendez, on va le faire maintenant. Hein. C'est où? J'utilise tellement pas l'objet que je sais, j'ai aucune idée de l'endroit où il est. Mais on en a normalement. Oui, voilà. Bah, en vrai, je crois que. Non. Attendez. Je crois qu'une, ça suffit. On va pas non plus abuser. Hein. Ah, quoi que. Peut-être que non, ça sera pas suffisant parce que ça volera pas assez haut, je crois. Ou ça finira par éclater. Bon, t'es content là? Ouais, tu m'as apporté des ballons? Oui, bah. Ouais, voilà. Fallait juste attendre 2 secondes de plus. Ouah, des ballons qui s'envolent loin! J'espère qu'ils vont aller jusqu'au pays dans le ciel au-dessus des nuages. Moi aussi, un jour, je m'accrocherai à un ballon et il m'emportera jusqu'au pays dans le ciel. Et puis après, mon vrai rêve, ce sera de monter sur un grand oiseau. Ouais, ouais. Un célestrier, ouais. Merci, monsieur. Ça, c'est le trésor du ciel que j'ai trouvé. C'est pour toi. Un fragment d'étoile. Oui, effectivement, c'est tombé du ciel, oui. Son utilisation en tant qu'ingrédient culinaire reste peu connue. Ouais, non, mais... Vole les ballons. Ah, bah, c'est tombé, hein. Heureusement que tu... Merci, hein. Bon timing. Salut. Ah, comment faire? Qu'est-ce qu'il y a? Profiter de la vie, il faut la gloire. La fortune et la gloire, on est d'accord? Pas nécessairement. Eh bah, pour avoir tout ça, je pense que le château d'Hyrule, c'est l'endroit idéal. Il y a une rumeur qui dit qu'autrefois, le roi et les chevaliers y ont amassé des montagnes d'armes et de trésors. Mais bon, comme tu dois le savoir, ils grouillent aussi de monstres. Si tu travailles... Vas-y, fonce. Ouais, t'as raison. Je peux pas laisser passer un tuyau pareil. Faut que je fonce. Bon, je vais mourir, mais c'est pas grave. Il paraît qu'au nord du château d'Hyrule, il y a un embarcadère à partir duquel on peut rentrer à l'intérieur. Et en plus, il y aurait un vieux sanctuaire pas loin. Si tu veux mon avis, ça pue le trésor. Problème. On m'a dit aussi que personne n'est jamais revenu vivant du château d'Hyrule. Ah, j'arrive pas à me décider. Ouais, non, reste là finalement. Peut-être plus safe pour toi quand même. Bon, salut toi. Ah non, d'une noix. Et comment on se retrouve? Je sais plus si je lui avais donné cette voix, mais tant pis. Je voulais rentrer chez moi dans la forêt Korogu, mais je me suis perdu. Oh, bah, t'es pas loin là. D'après les gens du relais, par ici, c'est la frontière entre Ordine. Je crois que je dis Ordine. Et la grande forêt d'Hyrule. Non d'une noix. Mais alors, ça veut dire que la forêt Korogu est tout près? Eh oui, bravo. Bon, puisque je suis ici, je vais en profiter pour me détendre un peu. Ah mais attends. Ah, tu sens la noix Korogu? Ouais. Ah mais alors, les enfants de la forêt, ils t'en ont offert d'autres? Si tu m'en donnes, j'agrandirai les compartiments de ta sacoche en échange. T'as une préférence? Ah ben tout. Mais en fait, tout. Bon, les armes, on avait dit quand même. Encore. 3 noix Korogu. Ouais, ça coûte de plus en plus cher, évidemment. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, je t'agrandis, grandis, ouais. Tout, tout, tout. Ouais, super. Voilà, la chanson. Hein. La chanson, le fond vert. Et un nouveau compartiment. Ça, c'est bien. Faut qu'on prenne aussi un arc. Un pour les arcs. Une noix Korogu, ouais. On commence un peu. Mais il faudrait faire les boucliers aussi, parce que les boucliers, c'est la dèche. On a 3 ou 4 places de boucliers, c'est nul. Voilà. Oui, les boucliers. Ok. Voilà, comme ça au moins on améliore un peu tout. Mais on va quand même focus les armes, hein, je vous préviens. C'est ce qui va, de toute façon, se casser le plus vite. Avec les arcs, mais les arcs moins quand même. Un peu moins. Normalement.
Bah ouais, vas-y, hein, ouais, je continue, hein, on continue, hein, les armes. Après, je ferai encore les, je ferai les arcs encore, si je peux. Et après, encore les armes. De toute façon, on va aller le revoir dans pas longtemps. Quoique, en vrai, là, je peux un peu abuse. Mais je me demande si je peux pas abuse, parce que, techniquement, c'est le dernier moment où... Ah, attends. Oui. Peut-être parce que ça va être le dernier moment où je vais pouvoir le trouver dans Zerolé. Donc, arc, on avait dit. Ouais, 8 noix Korogu d'un coup, hein. Commence à piquer, là, hein. Commence un peu à piquer, là, Noya, hein. Voilà, on est un peu plus tranquille niveau arc. Oh, oh là là, oh là là. Nom du noix. Je crois que je me souviens du chemin pour rentrer à la forêt Korogu. Alors il est sûrement temps que j'y aille. Pépé doit sûrement m'attendre. Merci, petite noisette. Cette fois, je rentre chez moi, pour de bon. Si, si. Ah, tu sais, ça me ferait très plaisir que tu viennes me rendre visite à la, dans la forêt Korogu. Par contre, faut que je fasse une autre voix pour Noya. Parce que là... Ouais, ouais. Waouh! 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 Oui, c'est un honneur pour moi de vous retrouver, monsieur Kian. Oui, ouais, je vais acheter. Des flèches. Je veux des flèches. Non. Oui! Ah! Atta. Atta, j'achète ça aussi. Ça va me servir, je pense. Waouh! Ouais, ouais. Voilà. Au moins, on a des flèches. Bon, on a sûrement d'autres choses à faire au niveau de ce relais. On va pouvoir retirer le tampon. Mais globalement, on est pas mal. Alors là, il me dit quoi, le... Oh, c'est marrant, ça. Domaine Zora Akala, colline Hyrule. Ok. Hop. Ah, d'accord. Il a pas eu envie de sortir le paravoir, alors. Excusez-le. Ok. On va aller vers ça, hein. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Parce que je suis curieux. Hop. Un petit coffre. Pas qu'un petit coffre. Des flèches électriques, ça c'est bien. Bah, c'est même... Non, c'est pas nos premières du tout. Non, non, on en a eu, oui. On en a pas souvent, pour l'instant. Une autre baguette de fulguration, bon, on en a déjà une, mais... bon, écoutez... pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. C'est marrant, ça. Je trouve, en tout cas. Ok, bah du coup, ouais, j'avais dit qu'on irait dans la forêt, mais... finalement, on a vu Noya, il nous a mis quand même relativement bien. Est-ce qu'on y va maintenant, dans la forêt Ah oui, d'accord, j'allais dire, il y a un Littoroc, là. Vraiment, c'est un Littoroc, la montagne. Ouais, c'est surprenant. Ah. Oh. Oh. Ouais, oh. Ceux-là, je les aime pas. Hein. Oh non, il pleut. Mais pire timing. Affronter cet ennemi-là par la pluie, quoi. Mais non. C'est bon. Baguette électrique. Des éclairs et des collines d'Hyrule auraient été emprisonnés dans l'orbe de cette baguette magique qui lance des éclairs des charges d'électricité. Il n'est pas adapté au combat rapproché. Oui. Voilà. Non, c'est pas l'orage, en tous les cas. Il est même pas censé pleuvoir de base. Ok. Alors. Donc là, on est là. Ah, la colline Gongle. Gongle. Gongle, c'est dans Minish Cap, non? Enfin, ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait Minish Cap, mais...
J'aimais beaucoup. Enfin, ça doit être pas que dans le Minish Cap d'ailleurs, mais... Mais voilà quoi. En tout cas, ça me fait penser à ça. Allez. On va aller vers là, hein. On va juste explorer vite fait. Encore un truc comme ça? Ah mais il y a son... Oh bah, oh bah. Oh bah, oh bah, oh bah. Le sanctuaire de Namika Oz. Ouais, bien sûr. C'est très bien, voilà, on fait des trucs. On a trouvé un relais. On a fait un sanctuaire. On fait un autre sanctuaire. On a trouvé Noya. On fait des trucs, hein, finalement. Comme quoi... Ah, ouais, moyenne, ça passe. Moyenne, c'est aise. Tiens, on va utiliser ça un peu. Alors, deux secondes, hein. En deux secondes, parce que je sais qu'ils adorent commencer par me faire foutre des rayons dans la gueule. Par contre, tu peux me sortir un... Voilà, merci. Parce que... Voilà. Et c'est pris la boule. C'est trop fort, ça, en vrai. Je savais pas que ça restait aussi longtemps. En vrai, je les utilise pas souvent, les baguettes. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai ça maintenant. Oh, je l'ai raté. Mais il a de la vie lui. Allez viens, allez attaque. Voilà. Ah, attendez, juste j'ai envie de faire un truc. Je l'enlève deux secondes, hein. J'enlève tout de suite, hein. Voilà. Ok. 633 PV. Non, il a enlevé, hein. Non, il a pas enlevé. Oh, je l'ai raté. Donc il prend, ouais, il prend tous les coups après, hein, dans ce genre de situation. Ah ouais, mais non. Ça a même pas cassé l'arme, quoi. Lance de gardien 2.0, la courte hampe de cette lance de gardien 1.0 dotée d'une deuxième lame semble avoir été étudiée pour permettre de combattre dans des lieux exigus. Et là, jeu gardien 2.0. Et bam. Ah, c'était quand même bien plus simple que l'autre sanctuaire, hein. Ouais. Par contre, je suis méga content, la hallebarde, elle nous a fait tout le combat, hein. Ouais, et les baguettes aussi, hein. Alors, juste, voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des pauses avec Link, j'avais oublié. J'avais oublié pour le coup. Et là, on pourrait avoir 8 cœurs. Si je mettais tout dans les cœurs, on aurait 8 cœurs. Trident des glaces. Décidément, j'ai des armes. On me donne des armes. Et bah, c'est très bien. C'est bon, je suis refoule. Ouais. Bon. C'est pas mal. Et donc là, on fait quoi? Parce qu'en vrai, je suis tenté quand même de mettre les deux fragments d'endurance pour avoir le truc complet. Mais en même temps, on serait qu'à 6 cœurs, quoi, du coup. Parce qu'après, bon, ouais, non... En vrai, je vais mettre un truc d'endurance et deux trucs de cœur. J'imagine. J'imagine que c'est ce qu'il y a de plus sage à faire.
Parce qu'après, il y a un truc pour lequel j'hésite à tricher, entre guillemets. Enfin, à tricher. Ce sera pas de la triche, mais... Donc, il y a une mécanique dans le jeu qui sert en vrai que pour un truc, globalement. Et j'hésite à l'utiliser pour ce truc-là ou pas. Voilà. Mais on en reparlera le moment venu. Pour l'instant, on n'y est pas encore, de toute façon. Non, mais pas ce bruit. Ouais, je sentais bien le korogu en haut, ce truc, en fait. Et ouais. Saloperie. Hein. D'ailleurs, en haut de l'arbre, Link récupère son endurance. Hein. Sachez-le. Hein. Il est suffisamment posé pour récupérer toute son endurance. Ah oui, là, il y en a un de glace. Ah, c'est marrant. Ouais, voilà. Un de feu, un de glace et... On a vu un électrique aussi tout à l'heure. Ah bah là, il y en a un autre aussi. D'accord, ouais. Très bien. Mais j'ai pas envie... Mais du coup, pour avoir des baguettes, c'est ici que ça se passe, en fait. Ok. Bon, bah là, on voit le château d'Hyrule. Alors, on va peut-être pas trop y aller. Oh. Non, mais globalement, j'ai quand même envie de les éviter un petit peu... Saloperie. Je les aime pas trop, pour être honnête. Bon, là, il y a un Korogu. D'un côté ou de l'autre, il y a un Korogu. Attendez, on va le sauver de la chute, hein. Comment c'est fait de l'autre côté? Bon, on va y aller, hein. On va aller de l'autre côté, hein. Ce sera plus simple, hein, pour voir ça, hein, parce que... Bon, le seul truc, c'est qu'il y a un gardien là-bas, quoi. Hein? En fait, c'est là qu'il faut le mettre, non? Du coup. Oh, il a pas la portée. Voilà, t'as la portée, Link. Oh, il fait pas d'effort. Ah, je me suis fait attaquer, du coup j'ai un peu paniqué. C'est genre là, non? Enfin, là où... soit là, soit à côté. Au secours. Au secours. Ouais. Ok. Merci. Oh, regardez-le. Regardez-le, ce beau gardien, là. Mais on va où, en fait, là? Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que, du coup, c'est vrai que... Vu que, finalement... Je suis en train de me dire, ouais, bon, l'arbre, on peut le faire plus tard. À l'arbre, à la forêt. La question, du coup, c'est où est-ce qu'on va? J'hésite à l'attaquer en réalité.
En vrai, j'ai des armes pour. En vrai, je pourrais. Ouais, surtout qu'il va me repérer dans 2 secondes. Voilà. Ah oui, ça dure pas longtemps, eux. C'est vrai. Mais non, mais... Merci. Voilà, casse-lui les pattes. Mais Link, Link, fais un effort. D'accord, j'ai perdu la connexion de la manette. rester face à son œil, c'est peut-être pas une... Mais qu'est-ce qui... Ah bah là, j'ai l'air faim par contre maintenant. Oh, il perd de la vie sous l'eau progressivement. Ça remonte tout le loot. Ok. Je savais pas ça. Ouais. Non mais du coup voilà, voilà pourquoi le cinétisme c'est quand même le meilleur pouvoir. Parce que bah du coup maintenant on peut faire ça quoi. Le pont d'Elmed. Ouais. Elmed. Oh. Oh. Non. Ok. Bon, ils veulent encore se battre les loups là ou... Faut me prendre la bombe. Ouais, du coup t'enfuis hein. Ok. Ouais du coup je pense que c'est changement de plan et on va se diriger vers un autre endroit. Après, ceci dit, on est à 50 minutes de... Qu'est-ce qu'il fait, là? Non, mais il va s'arrêter. Saloperie. Il a des pop à côté de moi, quoi. Ouais, ils ont... Il n'y a aucune vergogne hein, dans le dépop des ennemis, peuvent... enfin, des mobs. Genre, les biches peuvent vraiment dépop devant ta gueule. Hein. Il n'y a aucun souci. Tu peux être en train de leur courir après et elles disparaissent. Hein. Ça... Voilà, hein. C'est pas assez, on s'en fout. Hein. Non mais en vrai, il faudrait que je m'arrête. On n'aura pas fait grand chose du coup dans cet épisode. Hein. Pas se mentir. On n'aura pas fait grand chose. Hein. Mais bon... Oh le sanglier. Oh oui. Sanglier accro rouge. C'est bon. Non mais ça va, il m'attaque pas, il me fonce pas dessus. Donc je le laisse en paix. Et nous on nous a parlé d'un truc, d'un passage derrière. Je l'ai jamais pris ce passage moi. Voilà. La priorité numéro 1 c'est l'archer. L'archer c'est fait. Mais non. Mais non. Mais... Voilà. On loot du moblin. Et un arc de soldat. Donc ouais, là, il y a un passage là, a priori. Hein. Oh, oh putain, mais ouais. Mais tellement. Alors on pourra pas le prendre nous. Nous on pourra jamais le prendre. Mais en vrai ouais t'as tellement moyen de passer là en mode je m'en bats les steaks. Oh. Ah ouais. Enfin en vrai je dis on le fera pas. On pourrait techniquement. Mais bon ça demande une tenue donc
Ça impliquerait juste de mettre la tenue, juste le temps de faire ça. Mais je suis pas fan de l'idée, quoi. Donc je pense qu'on le fera pour le LOL, et qu'on redescendra tout de suite. À la limite. Parce que j'ai envie de tester, en vrai. J'ai envie de tester de monter par là. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Ça, bon... On en reparle d'ici 40 épisodes. Non, ça c'est vrai que c'est le truc, c'est que je vais essayer de faire en sorte que le let's play soit pas trop long. Mais en même temps, je m'engage, je suis pas parti pour quoi. Moi j'ai de flèches, il faut que j'arrête d'utiliser mes flèches. Je suis pas vraiment parti pour non plus. Hein. Faut bien l'admettre. Faut bien l'admettre, j'ai dit que j'arrêtais avec les flèches. Donc bon bah ouais on va juste se balader un peu dans la map et en même temps je vois le temps de l'épisode et je me dis on va peut-être pas se balader, on va peut-être se calmer et arrêter l'épisode là et voilà et se dire à la prochaine pour la suite mais en même temps on n'a pas avancé. Attends, on n'a pas fait grand chose. Mais bon non là on va se mettre à faire la quête principale hein, concrètement. Je pense. Mais ouais enfin. C'est le gros dilemme que j'ai avec le jeu, c'est que d'un côté j'ai envie de faire un 100% au niveau des sanctuaires. Et en même temps je me dis mais ça va être méga long. Ça va être juste méga long. Donc soit on a intérêt à être efficace de ouf. Ce qui est discutablement le cas. Ça dépend, hein. Mais là par exemple après cet épisode là je peux pas vous dire que je me sens très efficace si vous voulez hein, sur les sanctuaires. Sachant que je sais qu'il y en a certains qui risquent de nous prendre limite un épisode quoi. J'exagère un peu mais... Quand on voit la forêt... Hein. Toute la forêt est protégée, on peut pas y rentrer comme on veut. Ça sachez-le. Si j'essaie de rentrer dans la forêt par là, ça se passerait mal. Malheureusement. Mais bon... Il y a un truc là. Là il y a un Korogu. C'est obvious, c'est un Korogu. Mais ouais donc on va essayer d'avancer. Hein. Dans un premier temps. Bon c'est bon, il m'attaque pas. On va essayer d'avancer dans la quête principale. Il y a les DLC que j'ai envie de faire aussi, parce que bon je les ai fait qu'une fois pour le coup. Ouais. Ouais non mais potentiellement le let's play va être plus long que ce que je pense. Voilà, il y a un Littoroc là. Ah non. Ah non, c'est pas un Littoroc qui. Hein. Écoutez, on va finir avec ça. Regardez-le, il fait dodo l'inox bleu. Oh oui, il fait dodo le petit inox bleu. Ah, il y a un papillon. Ah bah d'accord. Alors. Tout est dans le début du combat. Ah mais attendez, en vrai on va faire quand même les choses bien. J'ai combien? Il me reste des faits? Oui, il m'en reste une. Ok. Ok. Comment je fais déjà? Il y a moyen. Il y a un moyen de... Mais non! Oh! Superbe, bravo Link! Hein. Coucou! Raté. Raté. Voilà. Touché. Pas trop la bonne idée ça. Espadon de chevalier. Voilà, on peut lui piquer les trucs qu'il a sur lui. Ouais, bon, si elle se casse bientôt. Non!
Mais non, mais... Quelle connerie. Ah, vraiment? Oh vraiment. Cher. Viscère d'inox. Ongle d'inox. Dorade grillée. Oui c'est bon, il a bouffé les 40 000 trucs, on sait, on a compris. Un crabe grillé. Ah du coup j'ai jamais pris ma potion. C'est vrai que je voulais prendre un remède pour avoir plus d'attaque et tout. Du coup j'ai zappé parce que je lui suis pas monté dessus quoi. Non vraiment. Se calmer au bout d'un moment. Bah écoutez, voilà. Je pense que c'est pas si mal que ça. On aura fait un petit boss. Voilà, on aura fait un petit boss. Regardez-moi ça. Regardez ça, il y a un relais. C'est parfait. C'est juste parfait. Il y a une tour là-bas en plus aussi. Il y a une tour là-bas. Là, il y a un dragon. Tout va bien. Voilà. Très bien. Non, mais c'est parfait. Hein. C'est parfait. On a notre programme du prochain épisode. Hein. C'est le relais, la tour. et les sanctuaires. Déjà, si on arrive à faire ça, hein, on est pas mal. Même si je pense qu'on fera d'autres choses en vrai. On est encore dans la zone... Ah, on est encore considéré comme dans la zone de la... la zone sylvestre. Marrant, ça. Là, on a le sanctuaire, là-bas. Ok, bah très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je m'avance vers le sanctuaire. Enfin, vers le sanctuaire. Oui, vers le sanctuaire, du coup, mais... De base, c'était plus pour m'approcher du relais. Mais... Donc, c'est très bien. Bah écoutez... Moi je vous dis à bientôt pour la suite de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh, il y a un effet sur mon arme, je crois. Je crois que ça l'a eu. Non. Oh là c'était bon. Là c'était bon. Mais... Insupportable à prendre ces trucs hein, en photo. Ok. Des grands moments. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de ce let's play tout simplement. Pour l'instant, on n'est pas mort. Hein. On n'est pas mort, on n'a même pas utilisé de fée. Voilà, pour l'instant ça se passe pas si mal que ça, ce caleçon challenge. Et ça va même se passer de mieux en mieux. D'ailleurs, je ne suis toujours pas... toujours pas aller prier. Je vous ai pris en photo, vous ? Non. Mais non. Je suis toujours pas allé prier pour récupérer mes réceptacles de cœur et d'endurance. J'ai dit qu'on s'arrêtait. Hein. Oh, elle est sympa, cette photo. Oh, GG. On va aider cette personne ou pas hein? Déchiré. Il m'a déchiré instant. Là, je vais me prendre... Ah non, je ne prends pas de dégâts de... Écoutez, ça passe. Ah, mais t'as de la vie, hein, par contre. Draco Masuboko, seuls les Bokobins les plus robustes sont autorisés à manier cette puissante arme formée de divers os fossilisés. Malheureusement, la place dans mon inventaire laisse à désirer. Ça c'est bon, ça a été pris en photo. Ok, bah on va lui parler et on va s'arrêter. Ah ouais, voilà, la vie de l'épisode 1 heure. Oh, mais merci, c'était vraiment un ennemi coriace.
Grâce à toi, je m'en suis sorti sans bobo. Tiens, c'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pour te remercier. Ouais, t'as eu la plus de chance que moi. Je dirais que tu m'as encore sorti d'un mauvais pas. Ah, c'est la même qui nous a donné l'intro. Ok. Toujours à la recherche de Kilton, le gérant de Land des Monstres, mais sans plus de succès que la dernière fois. On dit qu'à la nuit tombée, il apparaît un peu n'importe où dans le monde. Je finirais bien par le trouver. Mais oui, Chavi. Faudrait qu'on retienne son prénom. Parce que du coup, c'est la deuxième fois qu'on la voit, en fait. Je ne l'avais pas dit, je... Hein, voilà. Mais même si le fait de me donner de l'extrait de monstre, vous pouvez laisser supposer. Ou ça sent... Il y a un lithorock, là. Là, par là, il y a un lithorock. C'est sûr. Je sais pas où, mais il y en a un. Bon. En tout cas, on a dit qu'on arrêtait. S'arrêter. Qu'on stoppait là. Et le relais est à deux pas, donc c'est très bien. Voilà. Au moins, on s'est quand même avancé pour le prochain épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un korogo? Attendez. Je reconnais cette odeur. C'est une noix korogo. C'est l'odeur d'une noix korogo. Voilà. Ouais. Très bien. Ah, la flèche. Ok, bah écoutez, voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Voilà. Du coup, juste je vais quand même mettre le journal en journal, la quête principale. Les créatures divines. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire aussi les photos. On pourrait se dire, tiens, ouais, je fais les photos. Les photos, je les ferai. Ça par contre, sachez-le. C'est sûr et certain que je ferai toutes les photos. Voilà. Alors par contre, paye tes photos. Hein. Paye tes photos. Ah si, ça, bah ça, on voit, on a un gros truc, gros indice. On a un gros indice, en fait. Sachant qu'on voit pas les tours sur ces photos, parce qu'il n'y avait pas de tours à ce moment-là. Et, ouais. Ok, donc ça, on pourrait le faire. Ça, c'est pas pour tout de suite. Ça, bah ça, c'est pas loin, visiblement. Ça, je pense que c'est pas très très loin du village Piaf, du domaine Piaf. Ça, ok. Ça peut être assez facilement retrouvable. Donc ouais, bon, il y en a quelques-unes qu'on fera. D'ailleurs, oui, on voit quand on a découvert, on voit la zone. Ça va être pénible. Quoique non. Ah non, je reconnais ce pont. Donc non, ça va pas être pénible. Ça, c'est pour moi, c'est le château d'Hyrule. Ça, on l'a vu. Ça, on reconnaîtra, je pense, le moment où on y sera. Même si j'avoue que là, comme ça, bon, voilà. Ça, on y a été. Nyeh. Je crois que c'est la forêt Korogu, mais... Ouais, ok. Très bien. Bon, ça devrait le faire. En vrai, ça devrait le faire assez facilement. C'est pas le truc dont je me fais le plus. Mais voilà, donc on commencera les quêtes des créatures divines d'ici à un épisode ou deux, je pense. Et voilà. Et je pense qu'on enchaînera aussi pas mal après, à ce moment-là, les différentes créatures divines. En faisant peut-être des pauses au niveau des pour aller chercher des souvenirs à certains moments. Le relais de Delas. Il est là. Écoutez. On l'explorera la prochaine fois. Parce que là, ça fait un moment que je traîne la patte sur cet épisode. Hein. Un moment que je traîne, là. Ça fait hein. Bon, ça rattrape le début chaotique. Disons que ça rattrape le début, on n'a rien foutu. Ah oui, super. Bon, portez-vous bien. Bye bye.